Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Défi des 28 jours. Mon nom est Ludovic Beuzeron et dans cette nouvelle capsule vidéo, je vais vous expliquer comment trouver de bonnes idées. Mais avant toute chose, je vous invite à liker ce programme ou alors à le partager auprès de vos amis et si possible, à vous y abonner. Alors comment trouver de bonnes idées ou des sujets pour la création de contenu dans votre thématique ? Au-delà de mes recherches quotidiennes et de mon apprentissage permanent en psychologie positive, sachez que je suis une personne curieuse, j'aime découvrir de nouvelles choses et si possible de nouveaux sujets. J'ai vraiment une soif de connaissances, cela ne fait pas de moi une personne plus intelligente ni plus cultivée que vous, seulement une personne qui positive davantage et qui renforce son optimisme. Je trouve de grandes idées pour ma thématique dans par exemple les titres de la presse magazine, les journaux de la presse quotidienne, oui, les couvertures des grands magazines. En parcourant les rayons des livres des centres culturels ou des espaces culturels des grands magasins, on y trouve également beaucoup d'informations. En écoutant la radio également, les humoristes, la musique et même quelquefois les informations. Enfin, à 70%, je dois le reconnaître, je découvre de petites pépites sur Internet car je regarde chaque soir environ 30 minutes les jeunes créateurs sur YouTube. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. On y trouve énormément d'idées pour fabriquer du contenu. Voilà, comment trouver de bonnes idées ? Eh bien, tout simplement en étant curieux, en étant observateur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao !